Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. Comment renforcer le décaissement des fonds alloués à la Guinée par la Banque mondiale? Le taux d'absorption est très faible et le constat préoccupe les autorités. Les acteurs impliqués dans le processus tentent de trouver des solutions. Au ministère des Affaires étrangères, les cadres affectés récemment dans des missions diplomatiques affûtent leurs armes. Ils suivent une formation de 3 jours pour renforcer leurs capacités. L'initiative est soutenue par les partenaires au développement. Et formation, mais cette fois-ci pour les femmes enseignantes de Conakry et de l'intérieur du pays. Elles échangent autour de l'égalité des genres. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction et vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le président du Conseil national de transition a échangé aujourd'hui avec l'ambassadeur de la paix et le directeur général du NDI pour l'Afrique. Les discussions ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre le CNT et ses organisations. D'autres questions ont été abordées en ce qui concerne notamment la bonne conduite de la transition en cours dans notre pays. Ablaye Diallo. Dans cette salle historique des actes, Elhadj Djeriba Diaby et ses collaborateurs rencontrent le président du Conseil national de la transition. Ils sont venus exprimer leur soutien aux conseillers nationaux pour leur engagement en faveur de la promotion de la paix et de la réconciliation nationale, condition indispensable pour une Guinée unie et prospère. Nous sommes là pour dire aux membres de CNT, pour dire à son président que le peuple de Guinée compte sur eux, nous avons les yeux braqués sur eux. Comment Dansa et ses membres, nous savons que Dansa était des sociétés civiles, mais désormais ce n'est plus Dansa des sociétés civiles, c'est Dansa de la République de Guinée. Et le Parlement guinéen, il est là pour toute la République de Guinée. Si Elhadj est venu aujourd'hui ici avec toute sa délégation, c'est une fierté pour les conseillers que nous sommes. Parce que c'est encore davantage raffermir cette mission que le chef de l'État nous a donnée, mission qui a été consolidée par Dansa, parce qu'en étant à l'intérieur du pays, nous avons su ce que c'est que la Guinée réellement. Peu après cette rencontre avec ses religieux, Dr Dansa Kourouma reçoit le représentant de NDI, National Democratic Institute. Cette organisation américaine spécialisée dans le domaine des élections et de la gouvernance démocratique compte apporter son expertise au CNT. Nous avons cet avantage que le président du CNT lui-même connaît le NDI depuis des décennies. Donc il connaît l'approche du NDI, les méthodes de travail, l'expertise que le NDI peut mettre à la disposition du CNT. Et on se félicite de l'ouverture d'esprit qu'il a manifestée une fois de plus en laissant une invitation ouverte pour que le NDI puisse accompagner le CNT pour répondre de manière spécifique aux demandes qu'ils auront à poser une fois la feuille de route arrêtée ou adoptée par le CNT. En marge de la célébration du 8 mars, fête internationale des femmes, le président du Conseil national de la transition salue le courage et la détermination des Guinéennes de l'administration parlementaire. Pour marquer un cachet particulier à cette fête, un accompagnement financier a été accordé à toutes les veuves de l'institution. Le clou de la journée est marqué par ce banquet offert aux travailleuses. Le directeur général du NDI pour l'Afrique a été également reçu en audience par le Premier ministre chef de gouvernement. L'objectif était d'écouter les nouvelles autorités sur les priorités durant cette transition. Il est question ensuite de voir comment le NDI peut apporter son expertise à la réussite de tout le processus. On écoute le directeur général à sa sortie d'audience. Vous savez, le NDI est en Guinée depuis de longues années et travaille à côté des Guinéennes pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Et depuis les événements de l'année dernière, c'est la première fois que nous sommes venus en délégation. Donc il était important que nous rencontrions le Premier ministre pour nous accueillir des toutes premières informations concernant les priorités de la transition
et aussi pour échanger avec lui afin de voir dans quelle manière le NDI peut continuer à être utile. Nous sommes habitués à accompagner les pays pendant ces moments de transition. Nous avons parlé des éléments qui ont contribué au renforcement de la confiance des populations par rapport au bon déroulement de la transition. Le gouvernement de la transition est disponible et ouvert aux différentes suggestions, aux propositions qui peuvent être faites, aux recommandations qui peuvent être faites, surtout par des structures comme le NDI, qui jouissent d'une certaine crédibilité au sein de la population guinéenne. Un chiffre à présent dans cette édition d'information, je le disais tout à l'heure au sommaire, plus d'un milliard de dollars sont accordés par la Banque mondiale pour financer les projets de développement en Guinée. Mais le constat révèle que la capacité d'absorption de ce fonds reste encore faible. Alors comment inverser la tendance? Quelle solution pour booster les décaissements? Les acteurs impliqués dans le processus sont en conclave à Conakry. On fait le point avec Mamadi Gassamor. Le 28 février dernier, la Banque mondiale ordonnait la reprise des opérations avec la Guinée. Pour un coût global de plus d'un milliard de dollars américains, seulement 300 millions ont été décaissés. Ce faible taux d'absorption interpelle les autorités. D'où cette revue des portefeuilles des projets et programmes financés par cette institution en Guinée. Le patron de l'économie envisage déjà des stratégies pour booster le processus de décaissement. Dans l'intérêt du gouvernement pour raffermir la situation économique que nous avons, il faut que les projets commencent. Le problème des contrats, nous avons dit, il faut que tous les contrats qui sont en suspens soient évacués d'ici le 15 avril. Également, nous avons parlé d'une chose, d'une des contraintes, c'est quoi? C'était le staffing. Le fait qu'il y a 41 postes qui ne sont pas pourvus. Il faut les pourvoir. Le portefeuille compte au total 22 projets et programmes répartis en projets nationaux et régionaux. Plusieurs secteurs d'activité sont pris en compte par le partenaire. Pour la population, ce qui importe, c'est les services qui sont fournis. Et l'eau et l'électricité, la Guinée en a besoin. La Guinée va devenir net exportateur d'énergie dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il faut faire en sorte que cette position soit une position qui soit préservée. L'autre aspect, c'est le secteur de l'eau, l'accès à l'eau potable. L'agriculture, l'accès des productions agricoles au marché, donc à travers des pistes rurales qui soient passables à toute période de l'année. Les questions liées à l'environnement et aux mines, puisque c'est des secteurs sur lesquels notre institution accompagne la Guinée. Nous avons un financement de 65 millions de dollars qui a été aussi approuvé. À l'issue des travaux, des recommandations allant dans le sens de l'accélération de tous les projets et programmes inscrits dans les portefeuilles de la Banque mondiale seront formulées. Et puis c'est le mois de mars, le mois de la femme. Il intervient cette année dans un contexte marqué en Guinée par la flambée des prix sur les différents marchés du pays. Dans le souci de soulager les familles, le ministre du Commerce s'est rendu dans certains grands marchés de Conakry. Partout, le constat est amer. Les prix sont fixés de façon désordonnée. Et face à la situation, le ministre du Commerce annonce de grandes mesures. Abdul Karim Camara. Au marché Niger, à Kaloum, le ministre du Commerce est l'hôte des vendeuses ce matin. Docteur Goumou est venu s'enquérir des prix de certaines denrées de première nécessité. Pour Dame Marie-Louise, les prix d'achat ne cessent d'augmenter fortement. Chaque jour, ça augmente. Si tu viens aujourd'hui, tu l'achètes à 300 000. Demain, tu viens, tu vas trouver qu'ils ont augmenté 30 000 ou 40 000 là-dessus. Depuis que l'État s'est désengagé de l'achat du matériel de pêche, les consommateurs de poissons sont à la merci des entreprises privées. Elles fixent les prix comme bon leur semble. D'autres marchés de la capitale ainsi que de grands magasins de distribution sont ensuite visités par la délégation. De Niger à Matam, en passant par Taouya, le constat est le même. Quand tu donnes 50 000 francs comme dépense, la femme ne peut pas acheter de la viande, étant donné que le kilogramme est à 60 voire 70 000 francs. L'autre constat est que détaillants et grossistes se rejettent la responsabilité de cette cherté aux grandes dames des consommateurs. Pour les distributeurs,
il y a un manque de suivi dans la chaîne. Si aujourd'hui, moi je viens, j'achète à ce prix, je suis libre de vendre au prix que je veux, sans que je sois contrôlé, mais je vais me permettre de faire tout ce que je veux. Il n'y a pas de suivi sur moi, sur la chaîne de distribution. Le marché guinéen est désorganisé. Normalement, il y a des commerçants qui doivent faire uniquement du gros, il y a d'autres qui doivent faire du semi-gros et il y a d'autres qui doivent faire du détail. Généralement, ceux qui font du demi-gros et des fois du détail attendent juste lorsque le stock de sécurité ou le stock de commandes des grossistes est véritablement à la baisse. Ils profitent également de l'occasion pour pouvoir augmenter le prix sur le marché. Du côté du ministère du Commerce, l'on veut vite aller à la mise en place d'un comité consultatif des prix pour mettre fin à la spéculation. Ce comité a pour rôle de faire la liste des produits de grande consommation et des produits stratégiques, de faire la structure de prix, discuter avec les commerçants pour pouvoir mettre les structures de prix, homologuer les prix. C'est vrai, quand on parle de panier de la ménagère, il y a les denrées, mais également l'histoire du loyer. Pour les spécialistes, il est important de déterminer la limite de variation des prix de vente. Cela passe nécessairement par la maîtrise des paramètres existants entre la formation du prix de revient et la marge bénéficiaire fixée. Et pendant ce temps, la pisciculture commerciale familiale connaît un essor important en région forestière. Dans la préfecture de Beyla, par exemple, un jeune retient particulièrement les attentions. Il s'investit depuis plusieurs mois dans la mise en œuvre des étangs piscicoles et ses efforts commencent à payer puisqu'il s'apprête à livrer les premiers poissons sur le marché local. C'est une immersion de Mohamed Salioupaye. La pisciculture connaît un développement de plus en plus florissant dans la région forestière et ce, grâce au projet de la pisciculture commerciale familiale. L'autosuffisance alimentaire à travers l'accès de nos communautés aux poissons frais et la réduction de la pauvreté sont les objectifs visés. Ces installations piscicoles de Bola dans la préfecture de Beyla sont une parfaite illustration. Je suis très satisfait. De voir une telle réalisation. Cela veut dire que ça va en droite ligne du programme de M. le Président de la République, colonel Mamadi Doumbouya. C'est une fierté pour nous que les gens qui étaient à Zérekouré ou un peu partout dans la forêt, pourquoi pas même à Kérouani, en Haute-Guinée ou à Kangan, venir s'approvisionner du poisson à partir de Beyla. Donc c'est une fierté pour nous. Et nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour la sécurisation du site. Situé à 30 km de la commune urbaine de Beyla, ce site de 5 étangs piscicoles est l'œuvre d'un fils de la localité dont l'ambition est de contribuer au développement de sa préfecture. Moi, je venais à Zérekouré, j'essaie le poisson, je n'aime pas que les poissonniers viennent. C'est ça qui m'a encouragé pour investir comme ça, pour que nos parents quittent dans la difficulté. Aujourd'hui, chaque mois, dans 6 mois, chaque mois, on doit faire sortir 10 000 têtes de poissons ici. Normalement, on doit servir à Kréwani, Kankan. Franchement, ça va alléger beaucoup le panier de la ménagère. Donc, c'est un investissement qu'il faut encourager. Autre chose dans cette édition d'information, le directeur général de l'Office guinéen de publicité vient de boucler sa tournée d'information et de prise de contact dans les 5 communes de la capitale. À Kaloum, Matam et Dixine, Mandian Sidibé a exprimé sa volonté de collaborer avec les collectivités locales. Les projets phares de l'OGP, notamment la sécurisation des recettes, ont reçu l'adhésion des mairies. C'est ce que nous dit Mamadi Terna Kamisoko dans ce reportage. L'approche est payante. Le porte-à-porte privilégié par le directeur général de l'OGP pour vendre son projet de dématérialisation des paiements connaît l'adhésion des collectivités locales. À Matam, Dixine et la presqu'île de Kaloum, les préoccupations des élus locaux relatives aux dividendes annuels sont recensées. Et la volonté clairement affichée de Mandian Sidibé de proposer un partenariat gagnant-gagnant rassure les mairies. Aujourd'hui, l'OGP est un acteur incontournable dans le cadre du recouvrement des taxes de publicité et ces taxes-là reposent principalement sur les collectivités parce que c'est au niveau des collectivités que sont généralement entreposés les panneaux publicitaires, les boutiques qui disposent des enseignes lumineuses. Et venir aujourd'hui au sein de nos collectivités pour discuter de tout ça, là, moi je pense que c'est très salutaire. Je suis sûr que l'OGP changera totalement de visage. C'est ma première fois de voir une agence de l'OGP créée
dans la commune. Depuis quelques années, l'OGP s'est rapproché des collectivités locales à travers l'installation des antennes communales. Le passage du directeur général permet ainsi aux équipes techniques des deux parties de mieux collaborer dans leur intérêt commun. Parce qu'il y a les pharmacies, il y a les écoles privées qui ne payent pas les redevances. Et nous avons expliqué clairement au maire de la commune de Matam qu'il faut qu'il nous aide parce qu'il a le potentiel le plus important en ce qui concerne les redevances, notamment le marché de Madina. Et si toutes ces redevances ne sont pas payées, nous ne pourrons pas nous acquitter de ce que nous devons aux collectivités. La dynamique enclenchée à l'OGP cadre avec la volonté du président de la transition qui invite à la sécurisation des recettes publiques. Et puis, il y a quelques semaines, plusieurs cadres étaient promus et affectés dans les différentes missions diplomatiques de Guinée. Ils ont pour tâche de contribuer à renforcer davantage les relations de coopération entre notre pays et les autres à travers le monde pour leur permettre de réussir la mission. Et avant même leur prise effective de fonction, ces cadres viennent d'entamer une formation de 3 jours à Conakry. Robert Sidi Tolno. C'est une formation qui vient en appui pour accompagner le gouvernement guinéen dans sa mission de refondation profonde de la diplomatie guinéenne. Le Royaume belge, à travers sa structure Enabel, pilote cette formation de 31 cadres promus et affectés dans les différentes missions diplomatiques de la Guinée à travers le monde. Ce sont plusieurs thèmes, au nombre desquels le protocole, la déontologie, le rôle et fonction d'un chef de mission diplomatique, la diplomatie économique, qui ont fait l'objet d'échanges dans le but de corriger les contre-performances. Actuellement, il y a une session de 3 jours donc pour les diplomates qui vont bientôt partir en poste pour les former et à l'aide des ambassadeurs guinéens et belges expérimentés afin de les appuyer et de les assister à préparer leur départ en poste. Il faut savoir ce que c'est qu'un ambassadeur. Il faut savoir ce qu'il doit faire et son rôle qu'il doit exercer dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le pays accréditant qui est la Guinée et le pays accréditaire là où il est affecté. Pour moi, c'est une première d'occuper ce poste à l'étranger. Déjà, j'ai le béaba. Au-delà de cela, c'est l'expérience de ces anciens diplomates qui constituaient pour moi une directive pour le bon fonctionnement de mon poste. À l'ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale et de l'intégration africaine a, au nom du président de la République, salué l'apport du Royaume belge dans le renforcement des capacités des cadres guinéens. Au regard des riches expériences et expertises donc de ces formateurs, sans doute, je sais que nous allons engranger tous les bénéfices et jouer pleinement notre partition au service du développement économique et sociale de la Nouvelle-Guinée. À la faveur de cette formation, l'ambassadeur du Royaume belge en Guinée a annoncé la reprise très prochaine de la compagnie Brixel Airlines, histoire de dynamiser la coopération bilatérale Guinée-Belgique en appui de la transition dans le pays. Et puis la Guinée vers l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2025. Les autorités se déploient pour mettre en valeur les différents sites de la compétition. Après Boké, Kindia, Labé et Cancan, le ministre des Sports vient de lancer les travaux de terrassement dans la région de Zérékoré. Diamou Kaba nous donne des explications. La région de Zérékoré fait partie des régions hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée 2025. Cette annonce soulève la ferveur populaire à Zali. Et le projet est accueilli avec enthousiasme. La mission qui nous a été confiée au niveau du gouvernement, c'est de permettre à la jeunesse guinéenne de pouvoir se stabiliser, non seulement en Guinée, mais plus particulièrement dans nos régions et dans nos villes. Et ça, c'est le grand défi que nous avons, c'est de relever le développement économique local à travers une dynamique collective. Ce coup d'envoi marque le début des travaux de terrassement de ces réserves foncières de l'État. L'opération touche les villes de Zérékoré et de Lola. 3 sites sont retenus pour recevoir les grandes compétitions sportives.
des sites d'entraînement et d'hébergement sont prévus. Là, à Zérékorée, il est prévu la construction d'un stade de compétition de 15 000 places assises, accompagné d'un stade annexe, c'est-à-dire d'un terrain d'entraînement de 1000 places. Ça, c'est à côté ici, tout près à Zao. Et là, nous sommes sur le site de Loulé. Et là, il est prévu la réalisation d'un village camp pour deux équipes, c'est-à-dire 72 villas. Également, deux terrains d'entraînement de 1000 places chacun. Et après, à Lola, également, il est prévu la réalisation d'un village camp de 72 villas également pour deux équipes. Et le stade préfectoral également de Lola sera réhabilité pour faire l'extension à 1000 places. La mobilisation de Zérékorée constitue la dernière étape du lancement des travaux de terrassement des sites du COCAD. Confié aux entreprises locales, le suivi des travaux est assuré par le comité d'organisation régionale de la Coupe d'Afrique des Nations, Guinée 2025. Le développement d'une nation par de ces infrastructures de ce genre, des infrastructures qui seront à la portée de la jeunesse et de la région de Zérékorée. Au gouvernorat de Zérékorée, ce conclave a permis de tirer des leçons et esquisser de nouvelles perspectives avant les gros yeux. Volet santé de ce journal avec tout d'abord ses initiatives pour offrir des soins de qualité et créer un climat de confiance entre les citoyens et les acteurs de la santé. Une rencontre réunit en ce moment les experts et les responsables des structures hospitalières du pays. Pendant 3 semaines, les participants vont échanger sur des outils de gestion pour une meilleure prise en charge des patients. Ça à Maratolno. Pour affronter les défis de la gouvernance du système de santé, les directeurs régionaux, préfectoraux et communaux de la santé se retrouvent à Mafraya, dans la localité de Forêt-Karia. Ces responsables, pour la plupart récemment nommés, apprennent des techniques de gestion des districts sanitaires afin d'offrir des soins de qualité à la population guinéenne, comme promis par le CNRD. Pour leur permettre d'avoir tous les outils nécessaires au développement du système de santé, le ministre de la Santé a jugé utile de les regrouper pour un atelier de mise à niveau afin qu'ils partagent la vision du ministère de la Santé, nos manuels de procédure ainsi que la lettre de mission que le gouvernement vient de nous confier. Aux côtés de ces jeunes cadres, des partenaires techniques et financiers et des experts en gestion des districts sanitaires. Tous saluent cette idée de refondation du système de santé guinéen qui commence par la fondation des cadres des niveaux décentralisés. Je voudrais remercier M. le ministre de la Santé pour cette initiative qu'il a prise pour renforcer les capacités des directeurs régionaux et préfectoraux et donner les orientations pour leur prise en fonction. Au sorti de cette rencontre de Mafraya, des contrats de performance seront élaborés pour ces gestionnaires des districts sanitaires, des outils pour évaluer leur niveau de performance. Une autre question dans cette édition d'information, comment corriger le manque d'informations relatives au VIH et aux autres maladies sexuellement transmissibles? Les réseaux de la société civile guinéenne se lancent dans la bataille. Ils sont en train d'exécuter un projet à l'intention des jeunes et des décideurs. Mais il s'agit de quoi concrètement? Quels sont les résultats qui sont attendus? Voici pour comprendre les explications d'Amadou Touré. Selon les statistiques, l'accès à l'information en matière de prévention du VIH et des maladies sexuellement transmissibles reste très faible en Guinée. Seulement 15% des jeunes filles ont des connaissances en matière de prévention du VIH contre 33% sur les jeunes garçons. Des conditions qui exposent cette couche au risque des MST et grossesses non désirées. Pour inverser cette situation, des associations de la société civile se déploient dans la lutte à travers le lancement du PAGE. Entendez, pouvoir d'agir des associations et des jeunes engagés pour la santé sexuelle reproductive en Guinée. On a clairement dans notre pays un besoin d'information en matière de santé sexuelle et reproductive. Et au même moment, on a des outils numériques qui nous offrent la possibilité d'atteindre les jeunes et les adolescents qui de plus en plus sont ceux qui utilisent le numérique, les réseaux sociaux. Le projet PAGE vise également à améliorer l'accès des jeunes à l'information en matière de la santé sexuelle et reproductive. Le projet PAGE vise à contribuer à la réduction des nouvelles infections au VIH, mais aussi la survenue des grossesses non désirées et les violences basées sur le genre chez les jeunes et adolescents en Guinée.
La santé sexuelle et reproductive est une priorité en République de Guinée et exprimée dans les documents stratégiques du ministère de la Santé, notamment le PNDS 2014-2025, le plan d'action national de repositionnement de la planification familiale 2014-2018, prolongé par la période 2019-2023. Ce projet de 36 mois, fruit des réseaux de jeunes d'Ablogui financés à plus de 80% par Expertise France à travers Soltis, vise à mettre en place des activités adaptées au contexte socioculturel en favorisant la montée de la société civile guinéenne. Après la santé, nous allons parler maintenant éducation avec cet atelier de formation pour des femmes enseignantes. Elles sont une cinquantaine à prendre part aux travaux initiés par le Forum des éducatrices de Guinée. Ces travaux s'étendent sur près de 10 jours avec des modules liés notamment à l'équité et à l'égalité des genres. L'objectif est de soutenir les jeunes filles pour une éducation de qualité. Abdoul Aziz Baldé. Le gouvernement de la transition place l'éducation au cœur de ses priorités, celle de la jeune fille en particulier. Pour développer le leadership féminin, un projet intitulé Initiative Femmes Enseignantes pour l'éducation des filles en Afrique est lancé. Pendant une semaine, ces femmes, pour la plupart des enseignantes, devraient servir de modèle aux jeunes filles afin qu'elles aient le même potentiel que les hommes. Ce projet Initiative Femmes Enseignantes pour l'éducation des filles en Afrique va sans nul doute renforcer les capacités des enseignants afin de leur permettre de mettre en place un cadre scientifique et technique dans lequel elles seront dotées de compétences professionnelles et sociales leur permettant de développer leur leadership et servir de modèle aux jeunes filles. Toutes les filles ont leur place à l'école. Il faudra en tout cas tout faire pour qu'elles acceptent à l'école, qu'elles y restent, qu'elles soient maintenues, mais qu'elles et de bonnes performances pour leur garantir leur avenir. C'est l'avenir de toute la nation. Le projet Initiative Femmes Enseignantes est mis en œuvre dans 10 pays de l'Afrique francophone. Ici en Guinée, l'accent est mis sur l'éducation de la couche féminine pour inciter les filles à acquérir des compétences pertinentes pour le monde du travail. Quant à mon département, nous veillerons sur le suivi du processus de mise en œuvre des activités afin d'assurer un succès certain de ce projet dans notre pays au bénéfice des filles et des femmes de Guinée. En éduquant une fille, vous donnez du pouvoir à toute une nation. Pour que les jeunes filles prennent les études au sérieux, elles n'ont qu'à regarder leur maman et leur grand-mère qui ont réussi leur vie. C'est grâce à l'éducation. Au cours de la formation, plusieurs thématiques seront dispensées à ces femmes enseignantes. L'une des attentes de ces assises est de garantir l'équité et l'égalité des sexes, mais aussi promouvoir l'éducation des filles et la formation des femmes. Et puis la Guinée va également prendre part à la prochaine session des Nations Unies sur la condition de la femme. L'accent sera mis à New York sur plusieurs questions, dont l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. Mais déjà à Conakry, les préparatifs vont bon train. Le rapport de la Guinée sur l'environnement est en validation. Mohamed de Camara. La Guinée se prépare à participer à la 66e session des Nations Unies sur la condition des femmes qui se tient chaque année à New York. À quelques jours de la tenue de cette rencontre, la Guinée valide son rapport national qui sera présenté à ce sommet international. À Conakry, les cadres du département de la promotion féminine, les chefs de service genre et équité des ministères et les partenaires techniques et financiers amendent et valident le document de la Guinée. Le rapport de la Guinée n'est pas allé sur 1000 chemins. Il s'agit de mettre en exergue ce que la Guinée a fait depuis la COP21 qui s'est tenue à Paris. Et donc le progrès qui a été accompli en matière d'égalité des sexes et surtout en matière de changement climatique et comment restaurer les zones fortement impactées par la dégradation de l'environnement. Le changement climatique affecte de plus en plus les régimes de précipitation, augmente la fréquence et l'intensité des chocs climatiques et accélère la dégradation de l'environnement, ce qui impacte négativement la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance et provoque de plus en plus les migrations et les conflits
atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes. Étant femme, nous sommes les plus vulnérables avec les enfants parce que c'est nous qui sommes le plus souvent dans les carrières. Nous devons de plus en plus nous impliquer dans tous les projets qui ont pour objet de diminuer les effets des émissions de gaz à effet de serre et des projets d'adaptation. Cette 66e session des Nations Unies sur la condition des femmes se tiendra du 14 au 25 mars prochain à New York, aux États-Unis d'Amérique. Et c'est donc une rencontre qui intervient quelques jours seulement après la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. C'était donc ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Partout, les femmes sont sorties massivement pour saluer le combat qui mène vers leur autonomisation et leur épanouissement. Un tour d'horizon de la célébration dans certaines régions du pays avec Moussa Bangoura. La fête internationale de la femme a été célébrée en apothéose dans le pays profond. Aboké, c'est la maison des jeunes qui a abrité les festivités de la journée dédiée à la gente féminine. En tenant compte de ce qui est prévu comme thème cette année, que la femme se reconnaisse autonome, qu'elle puisse se battre pour être autonome pour elle-même, pour sa famille, pour le bonheur de toute la population. Et ensuite, nous sommes impliqués dans la protection de l'environnement, n'est-ce pas, éviter les catastrophes. Mais tout part de la maison, tout part de nos familles. Il faudrait que la femme s'y mette. Il faut qu'elle s'y mette, qu'elle sache apprendre à protéger son environnement autour d'elle, ensuite aller plus loin. Même son de cloche à Farana dans le 140. Ici, groupements, associations de femmes et autres couches socio-professionnelles étaient au rendez-vous pour magnifier la bravoure de la femme. La commémoration de cette journée était aussi une manière de rendre hommage aux dévancières. Également, reconnaître les avancées significatives enregistrées dans le cadre de la promotion de la femme. Nous parlons aujourd'hui de développement durable. À tout moment, à longueur de journée, mais ce développement durable ne peut être obtenu que par le concours des femmes qui s'investissent dans tous les domaines de la vie sociale de façon générale et particulièrement dans la sauvegarde de l'environnement. À Kindia, la fête a été grandiose. Autour des autorités du gouvernorat et de la préfecture, les femmes de Kindia, comme à l'accoutumée, ont chanté et dansé pour célébrer les efforts de promotion féminine et ont exprimé leur désir de conscientiser l'opinion pour soulager le panier de la ménagère. Et la célébration de la Journée internationale des droits des femmes a permis aussi de sensibiliser sur le renforcement de la paix en Guinée, une initiative portée par l'Association pour la promotion de la culture islamique qui lance en même temps un appel en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre. Mamadou Salioba. Dans ce centre islamique, ces femmes religieuses se sont retrouvées pour célébrer à leur manière la Journée internationale des droits de la femme. Accompagnées de certaines autorités publiques, elles ont échangé sur les droits et les devoirs de la femme dans la consolidation de la paix. Les devoirs des femmes, pourquoi ? Actuellement, on voit beaucoup de choses qui concernent l'éducation. Et les enfants ne peuvent pas être éduqués sans leur maman, sans leur sœur, sans leur grand-mère. Quand on parle de viol, quand on parle de violence, tout ça, là, ça concerne la plupart les femmes. L'islam et la christianité ont attaché une grande considération à l'émancipation de la femme. Donc l'aspect éducation seulement suffit. Si une femme est instruite, une femme est considérée, une femme joue réellement sa place dans une société, c'est la vérité, la société va de l'avant. Réunies au sein de l'Association des femmes musulmanes de Guinée, ces religieuses venues de différentes communes de la capitale ont dénoncé les violences basées sur le genre. Comme savons tous que la femme, particulièrement la femme guinéenne, joue un rôle important dans la vie socio-économique et politique de la Guinée. Nous avons vu certains exemples qui sont palpables sur le terrain. Donc nous avons saisi cette occasion pour leur souhaiter bonne fête. Ces femmes religieuses ont aussi plaidé pour plus de rigueur dans la lutte contre les violences à l'égard de la couche féminine.
Et puis, mesdames et messieurs, page noire de ce journal, en plus bref et en image, après plus de 50 jours passés à la morgue de l'hôpital Yansdine, Abaka Camara, communément appelé CNDD, a regagné sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Le défunt, une personne à mobilité réduite, n'avait pas d'attache familiale à Conakry. Et c'est le ministère en charge des personnes vulnérables à travers le Fonds de développement social et de l'indigence qui a supporté tous les frais liés aux funérailles. Que son âme repose en paix. Amen. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.